La 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 la. J'ai fait n'importe quoi. Mais c'est parce que j'ai envie de boire mon café. Ne me jugez pas, j'ai envie de boire mon café. Ah ouais, mais là je fais n'importe quoi aussi. Oh là là. Ok, c'est bon. C'est bon. Là j'ai passé. Non, je vais pas chercher ça parce que je vais mourir. Attends. Ok, laissez-moi boire au moins un peu mon café. Parce que là, j'ai passé 40 minutes, il doit être froid. Ça va, il est pas froid. Il est tempéré. C'est pas une mauvaise température pour un café. Je vous propose un petit ASMR café pendant que le marchand y chante. C'est notre moment préféré. Clipez vite, hein. ASMR café et le marchand qui chante. Bon, on renifle un bon coup pour respirer comme il faut, et on va voir le marchand, c'est parti. Cendrillon. Je vais travailler à plus tard, eh bien bon travail Nino, bon courage. C'est vraiment une de mes chansons préférées, celle-là du jeu, j'aime bien. Celle avec l'automatonné aussi, elle est pas mal. En vrai, la BO du jeu est bonne, mais il y a vraiment des morceaux que je préfère plus que d'autres. Ça, on n'y peut rien, hein. C'est comme partout, hein. T'as des choses que tu préfères plus que d'autres. Alors, c'est parti. Super, j'accélérais le tempo, donc la maîtrise du carré est plus violente. Allez, n'importe quoi. Et on va le ralentir maintenant. On se traîne. Aïe aïe aïe. Il est drôle ce jeu, j'aime bien. Ah, l'allumette, hein, n'oubliez pas, c'est l'allumette du crâne. Les mini-boss que vous n'avez pas encore vaincus seront désormais sur la carte. Bon, ça, tout va bien. Est-ce que je pourrais avoir des cœurs, s'il vous plaît? Généralement, j'aime bien les cœurs. Hop hop, bon. Pas de cœur, non, oui, non. Mais je fais comment pour les Dark Nut? Ok. Bah, je maîtrise mon carré comme il faut et puis ça passe. Hein. Oh là là, mais quel homme, mais quel homme! C'est la maîtrise. Non, pas l'abeille. Oh aïe, aïe, non, non. Les abeilles, par contre, elles maîtrisent mieux le carré que moi. Hein, c'est... De toute façon, les abeilles, c'est un peu les MVP du monde. Hein, faut pas déconner. Les abeilles, elles régissent le monde. Ça et les mitochondries. Faut jamais l'oublier aussi. Les mitochondries. Ceux qui ont joué à Parasite Eve, ils comprendront. Ah, une deuxième allumette. Avec ça, je vais pouvoir faire une sacrée boîte. Elle est drôle. Et le pire, c'est que le type se croit dans... Ah, les fées. Est-ce qu'on va me dire je t'aime? Ah ouais. Bonjour, mon cœur. Laisse-moi soigner tes blessures. Bonjour. Elles sont sympas. Mais non, je pense que j'ai pas d'armes parce qu'elles me proposent pas d'enchanter mes armes. Très décevant, ce jeu vidéo. Ouais. Non, mais... Quoi? Elle m'appelait le petit bourdon? Ok, au revoir. On va vers où? Oh, il y a un cœur apparemment là-bas. On aime bien les cœurs. C'est parti. Oh non, il y a l'inel. Et je maîtrise pas mon carré à cause du champignon.
Ta 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 ta. Le Lionel, il va me tirer une flèche avant de m'enlever 5 heures, je vais rien comprendre. Bon, le loup, arrête de fuir, je t'aime bien, moi. Le carré maîtrisé, le carré maîtrisé, le carré. Je maîtrise mon carré. Pouet, 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 pouet. Ça, c'est de la maîtrise. Bon, alors, là où on va moins rigoler, c'est lui. J'ai une idée. J'ai une idée. Hein ? Va dedans, va dedans. Va dedans. Oh. Mais je maîtrise pas mon carré, là. Ouf, c'est bon. Non, je veux la nouvelle, elle est neuve. Voilà. On va vers où ? On va vers le haut. Pouette, 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 pouette. Pouette, pouette, pouette. Aïe, aïe. Pouette, pouette. Ouais, mais comment tu veux que je fasse, là? J'espère que j'aurai un pouvoir. Bon, après, j'ai un pouvoir pour passer outre le... Peut-être qu'il faudrait que je l'utilise plus souvent, cela dit. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise plus souvent ce pouvoir. Il est pas mauvais, hein, en vrai. Est-ce qu'on fait toutes les maps? Tiens. Ah, j'avais pas vu. Est-ce qu'on fait toutes les maps ou est-ce que je fonce au boss pour voir les différences? Bonjour. Allez, dépêche-toi, l'homme en armure, là. Que t'es déjà pénible à tuer de base. Ah, oh, il a 2 points de vie. Non, il m'a bloqué. En secours. Oh non, il y a Linel. Mais à l'aide. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Au secours, au secours, au secours. Au secours, je vais mourir. Bon, ça va. Bon, le Linel, comment on fait? Parce que tout à l'heure, il avait pas l'air d'être bien glacé, quand même. Non, il peut pas se glacer. Oh non, j'ai fait un échec. Oh, mais il y a un coffre. Ah, j'ai fait un gros échec, là. Oh, mais lui non plus, il grimpe à la glace. Non, mais c'est quoi ce bin? Ça me sert à rien, ma baguette, elle est nulle. Ouais, allez. Personne n'a vu ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Hein? C'était pas bon. C'était pas bon du tout, monsieur. Mais c'est pas ma faute aussi. C'est pas ma faute. C'est le Linel, il est un peu cassé, quoi. Ah. Faudrait que je me trouve un slogan avec le carré. Qu'on rigole. Genre... vraiment... gros slogan. On va trouver cette idée de carré, mais là j'ai pas d'idée pour un slogan rigolo. Mince. En plein like. Attends. Oula, oula, oula. Et on se calme. Hein. Oh là là. Mais là c'était pas le carré maîtrisé. C'était de la nullité. Nullité, annualité. Bip, bip, bip. Ah, j'aime bien voir les objets. Tiens, il y a des bottes là, qui permettent de voler.
Ensuite, il y a une autre torche. Là, il y a une autre torche. Bon, j'ai fait tout ça pour un diamant. C'est pas grave. On a mis les diamants. Pof, on remonte. Pof, pof, les petits gâteaux. Bon, on va aller là. On va essayer de retourner là où j'étais, et là où je me suis fait violenter. Qu'on finisse la zone du marais. Si j'y arrive, évidemment, parce que... Là, soyons honnêtes, c'est pas gagné. Ce qui me fait rire avec... le stuff de Octavo, c'est-à-dire avec son lutte doré, c'est que tu peux courir sur les ennemis et les atomiser, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Pof! Paparam. Si tu cours sur les gens et tu les tues, c'est fort ça. Est-ce qu'on connaît d'autres choses qui courent sur les gens et qui tuent? Genre, qui courent très vite, quoi. Il n'y a rien d'intéressant, désolé le marchand. Pourtant, je t'aime bien, tu chantes bien. Non, pas les sols fragiles. Oui, on monte. Allez, on se délecte de la musique une dernière fois parce qu'on risque de quitter cette zone. Le champignon maîtrise mieux son carré que moi. J'ai mal. Non, il y a un truc pareil. Là. Oh mais c'est l'arc. Il me le faut. Mince, mais c'est pas possible. Je vais jamais y arriver, hein. Comment je vais tuer le Linel avec un cœur, là? Dites-moi. Le carré... Je suis sorti. Allez, c'est pas grave, on s'en va. Non. Pas lui, il donne rien. Il est pas gentil. Non, j'ai cru que j'allais mourir sur la guêpe. En vrai, la situation aurait été drôle, cela dit. Mais... Pif, pouf, pouf. Bon, allez, on avance un peu, parce que là, je fais n'importe quoi. Le carré... C'est le carré. Le carré... Super, je suis tombé dessus, quoi. C'est vraiment tout ce que je voulais faire. En plus, hein. Ah ouais, j'ai... Pouf, un cœur. Ah. La sauvegarde. Et on va voir la madame. Bah... Mais c'est celle du début. Mais je fais n'importe quoi, en fait. Mais pourquoi personne me le dit? Pourquoi personne me dit que je fais de la merde? Genre sans déconner. Personne me dit que je suis nul. Bon, d'un côté, ça me change. Et non, tu maîtrises pas ton carré. Et non. Pardon. C'est un facile de taunt. Alors, non, pas le Zora. Pouf. Bon, et toi, comment je te... Grosse question. Comment je fais pour lui? Est-ce que ça va me tuer si je fais ça? Je viens de me bloquer l'accès à... J'ai rien dit. Bon alors,
Oh là là. Bon, là, c'est épreuve de maîtrise extrême. Et mince! Oh non, il m'a bloqué contre mur. Bah, je suis mort. Oh, c'est bon. Oh là là. Là, c'était une catastrophe, hein. On a failli vivre un drame. Hein. Et j'ai pas le bon anneau d'équiper. Cet anneau risque de me tuer, en fait, parce qu'il va me faire avancer d'une case en avant, et je vais pas vouloir. Tout ça pour le tambour de guerre, en plus, mais... Est-ce que quelqu'un peut leur dire que le tambour de guerre, je m'en fiche un peu? Ah, écoutez, c'est donné, voilà, j'ai réussi à survivre, on va pas se plaindre. Et un tambour de guerre, super. On s'en va. On s'en va de suite. J'ai pas de cœur, je vais encore mourir, les gens vont se moquer de moi. Enfin bon. Oh, un cœur. Allez, on y croit. Hein. Moi j'avais un cœur. Je veux le cœur. Le cœur. Oh non, il y a un Zora. Le Zora, il va me tuer. Je vais rien comprendre. Ouf. Bah alors, Zora. Zora, 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 Zora. Oui, j'ai honte alors. ça, de suite. Il nous faut... Bon. Mais c'est de là où je viens, mais je fais n'importe quoi moi aussi. Hein. Je me fatigue tout seul. Ouf, 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 tout, 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 tout. Missile teigneux. Ah, la flotte, quel enfer. Bon, j'ai une idée pour le tuer, lui. Oh, je peux pas. Bien tenté, mais c'était nul. Ah, oh, mais quel mauvais ce type, c'est pas possible. On va y arriver à avancer, promis. J'ai tellement fait n'importe quoi. Ah, punaise. Bon, attends, apparemment, il y a un cœur là-bas. Je fais n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui a en plus le vent, mais j'ai plus de rubis. Allez, on s'en va, putain. Je suis énervé. Ta-da-ta. Allez, on s'en va. On s'en va. On avance. Sinon, on n'avancera jamais. Ah, c'était une belle tentative hein, pour le... pour le type là, mais c'est pas passé. Ah, grosse maîtrise là, démontrée par contre. Hein. Personne ne peut me le dire. J'ai maîtrisé comme personne.
aucune idée. Mince. Non. Ouais. Manque que la fleur bleue là-bas. Moi j'y crois, moi j'y crois. Ah mais en haut c'est la maison de Link. Ça fait quoi si je vais? D'ailleurs. Il y a un cœur. Au pied à terre, il y a un Link, oui. Allez, un pec. Ok. Mais il est réveillé, il dort encore ou ça se passe comment? Parce que dans l'histoire, là, non, ils sont pas réveillés, les héros. Ouais, c'est ça, il est endormi. Zzz. C'est dommage que t'as... Enfin... D'accord. Parce que, à sa place, moi, à Octavo, je sais que je veux détruire Link. Ben là, il dort. Schlack. Schlack. Genre, t'arrives sur... Genre, schlack. Enfin bon. Chacun fait ce qu'il veut, hein. S'il veut se compliquer les choses, lui aussi... Il y avait un truc dans la grotte ou pas? Je sais plus. Ouais, il y a une pelle et plus loin, il y a une torche. Ouais. Mais on veut ça, là, de pelle. C'est mieux. Allez, hop. On bouge. Donc. Une autre caverne. Non, pas les poules. Les poules de l'enfer, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ah, non, je sais ce que je dois faire. Voilà. Et là, normalement, si je tape dedans, il s'arrête ou il continue? Oui! Je suis un génie. Dites-le un peu, s'il vous plaît, ça me fait du bien. Ça pour 3 diamants, cela dit, mais bon, c'est fait. On va vers où? On va remonter. On va essayer de trouver les lieux importants. Il y a quand même une clé sur le sol. Pourquoi? Est-ce une énigme? Pourquoi il y a une clé sur le sol? Je sais pas. Ok, je sais pas. Bon. On sauvegarde. Je suis un peu concentré, c'est vrai. Pas sable. Pourquoi pas sable? Parce que je suis pas un maître de l'énigme? Bah bravo. Moi j'y croyais dur comme fer. Oh non. Bon. Allez. Attends, quoi? Comment j'amène un bloc là-haut? C'est celui que je viens de faire tomber, c'est ça? Bah oui. Ok, c'est bon.
Heureusement, le jeu est sympa, hein. Il te permet de pouvoir reprendre. Hop. De reprendre si tu fais des bêtises. La sclu-clu là, là. Ah, mais c'est une sclu-clu là adorée. Vilaine. Bim! Ça c'est fait, on pète tout ça, et on s'en va, ah, on se redresse, parce que sinon, ça fait pas du bien au dos. Ah, là on est bien, là. Là là là, on avance. J'aimerais au moins arriver sur un deuxième boss, cela dit. Manger mon caillou énervé. Boum. C'est le caillou énervé. C'est quoi ce lapin? On l'avait jamais vu. Est-ce que c'est l'avio? On l'avait jamais vu, ce lapin. C'est parce que j'ai laissé un objet traîner longtemps? Je sais pas. J'ai envie de voir ce qu'il y a dans ce tonneau, moi. Bip. Il n'y avait rien. Ce tonneau est incassable. Bon, allez, on... J'essaie de bouger. Là où on a besoin d'aller. La maîtrise, la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise du carré. C'est la maîtrise du carré. Regardez. Oh, oh là là. Ça, c'est la maîtrise du carré, ça. Ça, c'était beau. J'ai aimé ce que j'ai fait. Là, je vais pas aimer. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, l'arc! Ouh! Ben, on va le mettre de suite. Ce sera mieux que la baguette de glace pour le moment. Hein. Parce qu'excusez-moi, mais la baguette de glace pour l'instant. Ça nous a été utile une ou deux fois, mais. Sans plus, quoi. Oh, c'est pas maîtrisé tout ça. Bon. J'ai pris deux fois le caillou dans la tête, mais c'est pas grave. C'était pour la bonne cause. Et oui, il y a des bonnes causes pour prendre des cailloux dans la tête. Allez, la petite fée là. Oui, bonjour. On se soigne, on s'en va. On peut aller en haut? Ouais. On va faire ce boss là, tiens. Si on y arrive. Parce que là, c'est un peu le chaos déjà. Il me manque un ennemi. Ok. Bim. Ah, le cœur. On s'en va là. Ouf. J'ai pris cher. Il y a un autre cœur. J'aime bien quand les cœurs sont gratuits comme ça. Hop, petit cœur, mais oui. Là par contre, je sais pas comment monter là-haut, cela dit. Eh bien, vous ne savez quoi, c'est pas grave. Un autre cœur! Je suis avide de cœur. Aïe aïe aïe. Je peux pas monter. Dommage. Mince, je l'ai vu. Je l'ai vu se préparer à attaquer. Mais j'étais un peu bête. Je suis allé quand même. C'est pas grave. Prends un cœur, hein. On va dans la petite grotte. Oh là là! Je prends beaucoup trop de dégâts.
Boubouhahihouha. Ah, chevalier de Pégase. Je voudrais faire le deuxième boss au moins. Au moins ça. Après on verra. J'aimerais au moins trouver le deuxième boss. Mais j'ai pas l'air de m'en approcher, cela dit. Ok, ça c'est fait. Oh non, l'eau! Hop là! Gèle les ennemis. C'est vrai que les parchemins, je les ai jamais utilisés, ça peut être fort. Vraiment. Ça... C'est... Je cherche le deuxième boss, je veux pas retourner là, moi. Mais s'il faut, je suis obligé de passer par là. J'en sais rien. Ben là, je peux pas aller plus loin. Mince! Bon. Et bien, on va essayer de trouver un autre chemin. Je vais essayer de trouver un autre chemin. Allez hop, on bouge. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Alors lui... Ouais, lui il maîtrise son carré aussi. Moi j'ai un demi-cœur, j'adore. Ah. Une allumette. Ah, un cœur. C'est quoi? C'est pour un scroll? Je vais pas le chercher. Oh, mais j'ai pas de flacon. C'est dommage, j'ai pas de flacon. On va quand même essayer de monter, hein. Je vais y arriver un jour. Apparemment non. Aucun chemin vers le haut. C'est un peu l'hécatombe. Niveau. Enfin, cette map. Ah. Oups. Mais mince. C'est pour avoir de l'argent. Mais ouais, bon, bah, après, enfin. Après, si je fais n'importe quoi, je. Oui. C'est vrai que. Sur le coup, j'ai aucune excuse. Hein. C'est la nullité parfois est un fléau. Soyons honnêtes. Ouais, bah il est où le boss? Ça doit être là-dedans, mais comment on y va? Là-bas? Moi j'ai envie de faire un deuxième boss quand même. Non, pas là. Je vais me TP. Allô? Comment on fait? Bah comme ça. Non. Non, 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 voilà. Très bien. On va passer par là. On s'en va. Faut que je fasse tout le tour. Pa, 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 pa. En plus, j'avais dit, ouais, on entendra plus de musique. J'ai menti, c'est tout. C'est vraiment mon gros kiff. Mon mentir aux gens, c'est... On s'en va. Et on la re-entend. Aïe, aïe, aïe. Ouf, tellement de Zora là, calmez-vous. Ça y est. Ouais. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mais il m'a quand même tiré dessus. Mince, comment je fais, lui, pour l'avoir? Tant pis.
on s'en va. J'ai envie de dire tant pis pour le diamant, mais on s'en va. Parce que même autrement, je savais. Enfin. Là sur le coup, j'ai pas su comment le gérer. Ces statues. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Oh punaise, faut que je recommence à Babelwood les bains. J'ai perdu mon focus. Mon focus n'est pas très parallèle. Your focus is in parallel. Non mais non, c'est bon, je vais passer par en bas. Si c'est possible. On peut descendre ou pas? Ah, c'est bois. Est-ce que je peux aller là au moins? Pourquoi le jeu il m'aime pas comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Aïe aïe aïe. Allez, on file. Aïe aïe aïe. J'étais éjecté, je ne sais pas où. C'est pas grave, on s'en va. Le lapin. Le lapin violet. On s'en va. Oui, on s'en va. Moi, je m'en vais. Je cherche plus là. Je m'en vais. Je vais avancer. J'avance tellement vite que je fais n'importe quoi aussi. Pourquoi mes flèches font zéro dégâts aussi? Certes, pas des flèches de lumière, je comprends, mais. Genre, j'ai l'impression qu'elles font tellement pas de dégâts qu'elles sont négatives. Pas trop mal passé cette map, j'ai bien aimé. Bon. Mais je peux pas avancer. Donc il est pas là. Non. Je sais pas où il est ce donjon, mais il me fatigue. Hein. En plus, je crois que sur l'autre partie, mais j'étais tombé dessus, mais au hasard complet. Genre, ah, c'est par là-bas. Mais c'est pas possible, ces araignées. Elles m'ont en grippe. Moi, je veux pas 40 dans mon carré. Ah oui, comment je passe de l'autre côté avec Octavo? Sans botte. Ah ben voilà. Bref, regarde-toi, papillonner sans jamais te préoccuper du présent. Voyager, ce n'est pas seulement arriver à une destination. Des boules de feu. Ok. Appuyez sur L pour lancer 3 boules de feu droit devant vous. Ça va pas m'aider à passer le pont, ça, madame. Genre, sans déconner. Comment je fais, là? Non, ça m'aide pas. Ça fait des dégâts, c'est vrai. Mais ça m'aide pas du tout. Oh, je peux pas aller sur ce donjon pour le moment. Ça me fatigue. Oh, je voulais y aller. Ah, mais je suis bloqué là. On reprend. Bon, on va faire le moulin, comme ça on va gagner des cœurs et tout ça. Ça va encore, hein, on est bon. Donc c'est là. Non.
Alors c'est là. Non. Là. Non, il est où le là? Non, là, là, là. Attends, là, 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 là. Bon, on va tester. Là, 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 là. Non. Je voulais aller en bas. Je le refais. Là, 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 là. Là. Là, 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 là. Là, là. Impec. Pas besoin de la musique. Hein. je te montre. C'est même plus intéressant de le faire sans le schéma, mais après je peux comprendre pour les gens qui ne connaissent pas grand chose et... Ah, là voilà mon attaque plongeante. Pour ceux qui n'y comprennent malheureusement rien à la musique et qui n'ont pas trop le rythme ou ne serait-ce que la justesse des notes, je peux comprendre que ça soit dur. Ça, c'est indéniable, je comprends. Comment on passe? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme... Je suis nul. Ah non, c'est bon. Je suis trop fort. La feuille mojo. Bon, on peut aller au donjon. On y va de suite. Maintenant que j'ai l'attaque plongeante. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner avec Octavo. On va voir. C'est parti, attention. Attaque plongeante en 3, 2... Ah, c'était bien plongeant, oui. Oh, punaise, mais quelle naze. Mais qu'est-ce que je suis mauvais, c'est incroyable. Ah, je me fais rire tout seul. Allez, c'est parti, attaque plongeante, plouf. Bon, maintenant, je peux traverser le pont? Pas du tout. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour passer? Ouais. Ah, attends. Est-ce qu'il faut que je pousse ce caillou? Non, pas du tout. C'était pas ça. Mais... Par contre, va vraiment falloir m'expliquer pourquoi je suis aussi bête, hein, c'est... Là, ça devient vraiment urgent, c'est... J'ai besoin d'un nouveau cerveau. Attends. Est-ce que j'essaie de comprendre comment fonctionne un peu la logique des murs? Genre, si je fais ça... Oui! Bon. Ou alors t'appuies sur l'interrupteur, idiomètre, et tu peux passer de l'autre côté tranquille. Je me fatigue tout seul. Ah, punaise. Quel nul. C'est pas grave, continue. Le pire, c'est que je pense... Je sais pas, je connais pas l'histoire de... De Skull Kid. C'est le prochain DLC qu'on fera. Quand, je sais pas, hein, comment c'est pas. Mais si Skull Kid, c'est les mêmes maps, je suis sûr que le pont, je vais encore oublier. On parie combien? Je vais encore oublier. Je vais faire n'importe quoi. Est-ce que je pourrais avoir une pierre? Oui. Il y en a une là, mais je peux pas la pousser. Ah, j'ai ruiné toutes mes pierres. Tant pis. Tant pis pour le coffre. On ira un jour. De toute façon, c'est vrai que j'ai pas de but précis pour l'instant pour les aventures DLC. Je sais pas si
Juste les finir déjà, ça sera bien. Après, on verra ce qu'on fait dessus en plus ou pas. Parce que, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Ah, un Dark Knut. Est-ce qu'un Dark Knut c'est un Nutella noir ou pas? Non, c'est nul. Ouais, je suis pas méga fan de la blague. Ah oui, lui! Donne-moi de l'argent. Bip 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 bip. Non, c'était vers le haut. Ah oui, c'est vrai qu'il est inversé complètement. Bip 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 bip. Oh! Cette fois-ci, c'était pas de l'argent, c'était un cœur, c'est bien. Je suis plutôt content. Allez, c'est parti, deuxième donjon là. Oh! Mais les têtes avec ce truc, ça va être l'enfer! Oh là là! Ah mais j'ai un pouvoir magique, moi, on va voir ce qu'on peut faire. Faut pas oublier que j'ai un pouvoir magique. Ah, ça c'est bien, un peu de défense là. Petit gâteau. Premier escalier par ici. C'est parti. Par où je vais là? Bon, première recherche, la clé. Bon, la boussole, c'est bien aussi. Non, j'ai fait la même que le squelette juste avant moi. Mais j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé à ce pauvre homme. Quoi. J'ai pas de clé en plus. Mince, il me faut trouver une clé. Ou taper dans le mur. Quoi cette trappe? Oh! Il est passé à la trappe. Ah! Oh! J'ai de l'argent? Oui! Oui, j'ai de l'argent, oui! Impeccable, je me sens un peu mieux. Ou la pâte à tartiner du petit producteur local du coin bio et sans huile de palme. Ben, c'est largement meilleur, mais c'est juste que vu que c'était Dark Knut, à part la noix noire, mais c'était moins drôle. De toute façon, moi je mange plus de Nutella. J'ai découvert le Nocciolata qui est déjà bien meilleur. Mais, et j'ai bien dit mais, j'ai trouvé sur un livre de cuisine italienne, il y a une page consacrée à la pâte à tartiner. Et je pense que je vais aller importer d'Italie, ou si je trouve un site ou une épicerie italienne, je sais pas, on verra. Il y en a qui, apparemment, ont l'air bien meilleurs que tout ça. Avec beaucoup plus de goût de noisette. Et c'est ce que je préfère. Je me fiche du chocolat, moi, j'aime la noisette. Ah, maîtrise du carré, t'es respectable. Sur ce boss. Tu as raté le message avant le petit producteur. Milka, Banania... Ah, pardon. Excuse-moi, j'avais pas vu, c'est vrai. C'est parce que j'ai cité une marque qu'il fallait en citer d'autres. Désolé. Je vous demande le pardon. Ah! Ouais, des flèches. Qu'elles fassent plus de dégâts. J'ai tout cassé. Allez! Importer, c'est pas écolo et pas dans les valeurs. Mais... je sais pas comment faire pour en avoir, vu que c'est en Italie. Et c'est vrai que à la Biocoop, j'ai déjà trouvé des pâtes à tartiner qui étaient bonnes. Mais comme je vais pas trop souvent à la Biocoop, alors que c'est à côté de chez moi. Parce que les fêtes ont été... oh mince. On va dire compliqué. Enfin pas compliqué, je sais pas. Mais je... ah, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je m'énerve pas. Voilà, je m'énerve pas. On va dire que les fêtes ont demandé un petit avancement d'argent. Enfin... non, moi c'est...
Ils ont parlé trop de ce genre de choses. Jardin, moi je m'avance un petit pécule de côté pour faire plaisir aux gens que j'aime. Et c'est pas ce mois-ci que je vais aller à la make-up. J'ai pas envie d'aller à la Biocob juste pour une pâte à tartiner, j'ai pas envie de pas croiser des gens, mais j'ai pas envie de... Quels sont les mots corrects? Je n'ai pas envie de la voir nue, comme dirait Indochine, mais je n'ai pas envie de confronter les gens au Covid juste pour acheter une pâte à tartiner. Je dis pas que j'ai le Covid, mais on sait jamais, j'ai pas envie, voilà, geste barrière, tout ça, j'ai pas envie de... J'ai envie d'embêter tout le monde avec la pâte à tartiner. Et comme pour l'instant j'ai pas de course à faire à la Biocop, et ben voilà. Parenthèse, il faudra que tu me dises avec exactitude ta référence de ton café. Oula! Parce que là, attends, on est passé sur du nouveau. On était sur du... Bon, on va citer d'autres marques de café, vous inquiétez pas. On était là en ce moment sur du Malongo, donc je cite deux autres... café, on va citer deux cafés qui valent pas trop le coup, comme... Non, je déconne. On va citer Grand-mère, parce que c'est drôle, L'Or, on va citer je sais pas. Mince. Je peux pas passer, là, si. Oh là là, je suis inversé. Où est la sortie? Où est la sortie? Ah là. Punaise, j'étais bloqué. Attends, je fais le Dark Nuke et on discute. Ok, je fais le boss. Petit arrêt. Bon, vous avez la musique, la vidéo, c'est pas grave. Oui. Donc, on était sur du Malongo. Et dernièrement, la famille de Monsieur C lui a offert un petit moulin à café électrique et des grains. Donc maintenant, on passe soit au café moulu, déjà de base pour pas trop s'embêter, soit on passe au grain. Sauf que la dernière fois, on était chez Carrefour, donc on cite Lidl et Leclerc, voilà. Et il n'y avait pas beaucoup de café en grain. Donc c'est vrai que sur le coup, on s'est retrouvé un peu idiot, parce que je pense, sans trop m'avancer, que mon café préféré, c'est le mocha. Et on n'a pas trouvé de mocha en grain. Je sais pas, parce que... Alors... C'est vrai que j'y connais pas grand chose en café. Hein. Si quelqu'un me dit, mais c'est normal que tu ne puisses pas trouver de mocha en café parce que si, parce que ça, je comprendrai. Mais c'est vrai que sur le coup, là, moi, j'ai pas l'info. Je sais pas si ça existe ou pas. J'imagine quand même. Ni en café moulu, cela dit. Donc on est parti sur un café plus classique, mais je sais. Je saurais pas dire lequel c'est en ce moment. Ah, mais je suis pas sur le bon timing. Ah mais je crois que je peux m'arrêter contre un mur, je suis bête moi aussi. Voilà, je peux faire ça. Voilà, pardon. Voilà, on parle de café, ça me... Hein, ça me stimule, et je fais n'importe quoi. Ok, c'est parti pour le boss. Là par contre, le boss, ça va vraiment pas être une mince affaire. Autant avec Zelda, ça s'était pas trop mal passé... Autant avec Octavo, le Glockenspiel, là. Alors, quand tout ira mieux, faudra qu'on aille à la brûlerie à Carme. Ah mais oui, c'est vrai, pourquoi on n'est pas allé à la brûlerie à Carme? Parce qu'on n'a pas trop envie de bouger. Parce que avant Covid et tout ça, on s'arrêtait souvent, quand on se baladait dans Toulouse. Oui, je vis à Toulouse, voilà, bravo, bonjour. On s'arrêtait pas mal à la brûlerie au Carme pour boire un café, tout ça. C'est vrai que si on veut des grimpes, faudra peut-être qu'on aille... y faire un petit tour. Après, j'avoue que prendre le métro dans ces conditions, je suis pas très fan moi, en ce moment, mais bon. Si c'est pour du café, je me dis, autant faire un effort. Bref. Mon précédent métro, c'était pas à la hauteur. J'espère que celui-ci sera plus fort. Que le pouvoir de la foudre électrifie les lames de mon Glockenspiel. Après, je comprends pas trop ce qu'il fait, Octavio. C'est, il libère des monstres pour après leur péter la tronche. Ok. Il a pas changé de couleur, il était pas jaune avant, si? Le Glockenspiel. Le vélo. Je ne peux pas tenir sur un vélo. Bon.
Je fais comment quand j'ai pas de... Oh. Bon. Il est moyen dur. Mais pourquoi j'ai le tournis ? J'étais pas dans la zone électrique, pour une fois, en plus. Peut-être qu'il fallait pas le toucher parce qu'il était chargé. Ah, mais il se déplace. Oh là là. Oh non, je suis mort et lui aussi. J'ai fait un double KO. Non. Bon, on recommence. Mais mince. Je suis dépité. Allez, on le refait. Non, mais aussi, pourquoi parler de vélo et de l'instrument du démon, quoi? Je vais m'inventer de mauvaises excuses, comme quoi je sais pas faire de vélo, mes parents m'ont jamais appris. Ce serait bien de, voilà, péter une tête. Au lieu de piquer une tête, je la pète. Comme ça, moi, je suis tranquille. La musique de ce bois, c'est cool. Oh là là. Ding, ding, ding. Allez. Concentrage Schtroumpf. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ah, c'est bon, je me suis dit, mais mince, j'allais encore mourir. Faudra clipper ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Piquer une tête? Tuer une tête? Non, je sais pas. Ouh. J'étais tellement concentré. Saleté de Glockenspiel, va. Saleté, va. Mais alors, vilain. Vilain Glockenspiel, vilain. Pouet, pouet. Oui, vous avez obtenu le Glockenspiel, vous sentez une puissante force magique en émaner. Peut-être vous aidera-t-il à vaincre Ganon. Vite fait, on en parle. Octavo, il crée des monstres qui sont... qui meurent contre lui, et après, il les envoie quand même contre Link, alors qu'il sait très bien que si lui, il a pu les défaire, ben Link pourra peut-être les défaire. Le scénario à l'eau. Mon double kill. Ah oui, ben là, oui. Enfin, le clip, oui.